Pour ce jour 11, nous allons faire un petit peu de bricolage. Vous allez prendre un tissu de fond, soit uni, soit fleuri, un morceau de toile à beurre, un morceau de tulle, un petit morceau de molleton, le PDF du jour, des rubans en velours ou en coton, une petite fleur séchée ou un petit embellissement de votre choix, le nécessaire à coudre, les fils à broder et les encres ou la peinture à l'eau pour faire des petites teintures. Vous prenez votre tissu de fond, vous le pliez en deux et sur l'arrière, vous disposez votre gabarit cœur. Vous faites le contour de ce gabarit. Vous épinglez ces deux épaisseurs et vous coupez l'ensemble à environ 5 mm du bord. Vous coupez le molleton en suivant le tracé du gabarit sans ajouter cette fois de marge de couture. Vous allez disposer ce cœur en molleton sur les deux cœurs de tissu, toujours disposés endroit contre endroit et bord à bord. J'ai épinglé les trois épaisseurs entre elles et je vais coudre à la machine en suivant le tracé et ceci tout autour. Je crante ici dans l'angle et sur une face simplement, je crée une fente. Et par cette fente, je vais retourner mon cœur. Alors, le molleton doit suivre. Et avec un bourron, vous redonnez bien la forme du cœur. Bien marquer la pointe. Tout autour de votre cœur en relief, vous faites un petit point de feston avec un coton assorti et vous faites ça tout autour. Vous pouvez changer de couleur, apporter des petites touches de manière à ce que ça s'harmonise avec le reste de votre ouvrage. Sous mon petit cœur, j'aurai mon tulle avec un des rubans. Je vais faire un nœud. Je vais faire également un nœud avec un petit morceau de velours. Cette toile à beurre, nous allons maintenant la teindre de façon à ce qu'elle soit moins blanche. Alors, soit vous utilisez les encres, soit vous utilisez de la peinture à l'eau. C'est juste pour lui donner une petite teinte. Créer des petites nuances. Voilà. Je vais faire un nœud avec ma toile à beurre et je vais venir disposer ce nœud sur l'ensemble. Voilà, vous faites en sorte que ce soit joli. Pour maintenir en place ces petits rubans, je vais faire des points comme des points de sable, c'est-à-dire des petits points avant. Dans le désordre. Je fais ça sur la toile à beurre, sur le jour et sur le petit ruban de coton. Vous les fixez ainsi. Sur le pourtour du cœur, vous faites un point avant, comme ceci, sur les parties visibles. Et en même temps, vous prenez le tulle dans la couture pour le fixer à l'arrière du cœur. Il vous reste à glisser votre petite brindille ou votre petite décoration dans le nœud et à bien le fixer en place pour qu'elle ne bouge plus. Et vous mettez cette petite miniature de côté pour la suite des événements.